La vie du busker en herbe en Australie. Quand ça marche bien comme aujourd'hui. En herbe, non, c'est maintenant on est. Thank you, last donation, thank you. It's a call for the last donation. Voilà. On ramasse le but. On ramasse le butin. Donc, superbe cadre, comme vous pouvez le constater, pour un concert. Notre meilleur public, les voitures. Voilà. Et les chiens. Alors, pourquoi nous choisissons les supermarchés? Sophie, peux-tu nous expliquer pourquoi nous choisissons maintenant les supermarchés? Puisqu'il s'agit de trouver et de rencontrer des gens. Oui. Entendre et écouter notre musique. Mmh. Le supermarché est la seule alternative, étant donné que les rues sont habitées par des véhicules. Et sont, on peut le dire, complètement vides. Et sont vides de gens. De gens, voilà. La seule alternative que nous ayons trouvée est cet espace entre le supermarché et le parking. C'est ça. Donc, voilà, here we are. Et voilà. Ça marche plutôt bien. Bah aujourd'hui, ça fait comment? Aujourd'hui, on ne sait pas encore, mais la chaussette est conséquente. Chaussette? Chaussette, on va dire approximativement... Peut-être 100 dollars aujourd'hui? 100 dollars avec les billets. Eh oui, car nous avons fait des billets en plus. Mais rassurez-vous ou ne... Pas rassurez-vous d'ailleurs, ne croyez pas que c'est tous les jours aussi facile. Hier, nous en avons bien chié, par exemple, dans une ville soi-disant superbe, touristique, accueillante pour les buskers. C'est soit on nous fout dehors, soit on nous donne rien. On arrête de râler. On nous a aussi donné aujourd'hui une prière en allemand à chanter. Ah. Et un texte à lire sur l'amour. Sur l'amour? Oui, je pense, oui. Ah. Love is the greatest. Ah oui, c'est ça. Ça doit être. Love, ça veut dire amour. Ça. Voilà, chers amis, prochain témoignage. Very soon. Yeah. Oh, sorry, madame. See you!